La tournée gaspésienne pour la projection en avant-première du documentaire Ramaillage était de passage à Percé le 21 février dernier. Cet ouvrage présente de nouvelles perspectives de développement régional et pose un regard sensible sur les enjeux environnementaux. Jean-Denis Laperrière est allé au centre communautaire L'Oasis pour rencontrer le cinéaste et réalisateur du documentaire, M. Moïse Marcoux-Chabot. Le Festival international du film a produit un nouveau documentaire qui s'appelle Ramaillage. Et c'est une idée du cinéaste et réalisateur Moïse Marcoux-Chabot. Je suis en sa compagnie à l'Oasis de Percé, où il est de passage pour la présentation du documentaire. Bonjour à vous. Bonjour. Vous allez bien? Oui, très bien, merci. Alors, Ramaillage, c'est un documentaire en 6 épisodes. Qu'est-ce que ça nous raconte? Oui, donc cette série-là de 6 épisodes, à peu près 30 minutes chacun, ça nous fait vivre à peu près comme une année en Gaspésie à travers les saisons, en suivant vraiment le rythme des saisons, avec plein de moments, avec des gens un petit peu partout autour du territoire, qui sont soit des néo-gaspésiens ou des jeunes qui étaient partis, qui ont décidé de revenir en région, et qui sont impliqués dans des projets collectifs ou des projets liés à l'agriculture, à l'élevage de proximité ou aussi dans la militance environnementale. La série, elle se présente comment? Est-ce que chaque épisode, c'est un thème ou tourner dans un village en particulier? Non, en fait, ça pourrait être un film de 3 heures divisé en 6 chapitres. Donc, à chaque épisode, on suit vraiment le temps des saisons, donc que ce soit rentrer son bois, réparer ses clôtures, récolter les légumes, tout ça. Mais on vit en passant d'un endroit à l'autre de la Gaspésie, de la péninsule. Donc, tout au long de la saison, on apprend à connaître les gens. Il y a des personnes qui reviennent plusieurs fois, d'autres qu'on va voir seulement une fois. Mais on n'est pas, le but, c'est pas d'essayer d'expliquer un projet précis à un endroit ou d'avoir un sujet par épisode, mais vraiment de faire vivre une année en Gaspésie. Ça vous est venu où de faire cette série-là? La première idée du projet m'est apparue en 2013. Donc, j'avais réalisé à ce moment-là un court-métrage qui s'appelait L'Espoir avec Bill Beausire, un slameur de la Baie des Chaleurs. Ça a été diffusé ici au Perséide, un peu partout au Québec, même aux États-Unis, en France. Puis c'est un court-métrage justement qui apportait une vision positive de la Gaspésie, du développement régional, de l'écologie, du retour des jeunes aussi. Puis j'ai eu envie, après avoir fait ce film-là, de continuer à aller à rencontrer des gens que j'avais déjà croisés en Gaspésie, mais qui m'inspiraient, qui avaient des projets que je trouvais dynamiques pour leur région ou pour leur village. 2013, ça veut dire que ça fait quand même un certain temps que vous travaillez dessus. Oui, c'est ça. C'est un gros projet. C'est le plus gros projet de ma vie en documentaire. Puis ça m'a pris quelques années à développer, trouver les idées, trouver le financement. Finalement, il y a l'Office national du film qui a embarqué dans le projet, qui a décidé de le produire pour moi, donc en 2015 à peu près. Puis ça a été le tournage s'est déroulé sur 2 ans, de 2016 à 2018. J'ai vu que la série est tournée en noir et blanc. C'est pourquoi avoir choisi ce format-là d'image? Ça fait plusieurs fois que je fais des films en noir et blanc, donc pour moi, c'était juste la continuité de ma démarche, d'un choix, d'une préférence que j'ai pour l'image. Je trouve que c'est très beau à la base. Là. Je ressens pas le besoin d'avoir des couleurs. Puis même, je trouve que dans la vie en général, à la télévision et tout, on est surchargé d'images, de couleurs, d'effets spéciaux et tout. Puis pour cette série-là, j'avais vraiment envie qu'on se concentre sur la parole des gens, sur les visages, sur la rencontre. Puis qu'on ait cette espèce d'aspect noir et blanc-là qui donne une sobriété ou une noblesse, je trouve, aux gens dans leurs gestes quotidiens très simples pourtant. Là. Vous faites la tournée des villages pour l'avant-première. Ça va être les villages où est-ce que vous avez fait les tournages? Ben, je dis les communautés. Donc, tu sais, là, on a des projections dans le coin de Sainte-Anne-des-Monts, de Mont-Louis, Gaspé, Percé, Bonaventure. J'ai tourné dans plus de villages que ça, mais c'est des points où je suis revenu plusieurs fois, où j'ai rencontré beaucoup de gens. Donc, j'essaie de rassembler à nouveau les communautés autour des projections avant d'aller le montrer dans le Festival des rendez-vous du cinéma québécois à Montréal, puis avant aussi de le mettre sur Internet. Donc, à partir du 7 mars, ça va être disponible en ligne gratuitement, intégral sur onf.ca. Le titre à Montréal, d'où est-ce que ça vient? C'est quoi ce mot-là? Ramaillage, ça veut peut-être dire de quoi des pêcheurs dans le coin ici. C'est un mot qui, à l'origine, voulait dire ramailler, réparer les mailles d'un filet qui était brisé. Donc, c'était vraiment un mot de maritime. Mais moi, quand j'ai découvert ce mot-là, je l'ai trouvé super beau. Puis, je l'ai vraiment vu avec la métaphore du filet social. Donc, qu'on ramaille les liens, qu'on ramaille un filet social tricoté serré au Québec, on dit souvent ça. Donc, qu'on se rapproche les uns les autres.
chacun dans nos petits villages, mais aussi à la grandeur de la Gaspésie. Donc, dans la série, on voit des gens qui sont dans leur projet chez eux, mais on voit aussi des fêtes ou des corvées qui rassemblent les gens autour d'une activité. Donc, ramailler les liens entre les gens dans une très grande région comme la nôtre. Puis aussi, ramailler, se rapprocher entre les générations, des gens qui sont arrivés il y a plus longtemps, des gens qui sont nouveaux dans la région aussi. Vous me parliez que vous avez fait un autre film aussi en 2013. Vous n'en êtes pas, dans le fond, à votre premier tournage. Vous en avez combien? Là, j'ai pas compté, mais en Gaspésie, j'ai dû faire 5-6 courts-métrages avant de faire celui-ci. Ça fait depuis 2006 là, que je fais du court-métrage indépendant. Ça, c'est mon premier projet d'aussi grosse envergure. Avez-vous l'intention, parce que ça a été, vous avez d'autres projets qui ont été présentés au Perséide. Oui. Avez-vous l'intention de présenter celui-là aussi au Perséide? On a donné un petit aperçu de la série l'année dernière. Donc, on a présenté le premier épisode qui n'était pas fini à ce moment-là, mais pour donner le goût aux gens de voir la suite. C'est sûr que j'aimerais revenir l'été prochain au Perséide. C'est un festival qui me soutient depuis le début de ma carrière, si on veut, en Gaspésie. Donc, beaucoup d'affection pour ce festival-là. Moïse Marco Chabot, merci de m'avoir accordé ce temps. Merci beaucoup. Puis, je vous laisse à votre présentation. Mais oui, puis j'invite les gens à aller voir la série à partir du 7 mars sur le site de l'ONF. ONF.ca. C'est ça. Merci.